Et c'est parti pour cette course numéro 2, Kyoto Driving. Parcours eh bien variante Yamagiwa avec donc Jimmy pour l'instant en tête, suivi de Petit Fuchs, Mania, le Duc Damien et tout le reste derrière. Hein. Et c'est très très regroupé pour l'instant. Et Jimmy qui s'échappe hein, légèrement. Derrière, c'est très à l'extérieur pour un des pilotes. Peut-être Servet. Et Bernard qui est déjà 9e. Attention, derrière sa bataille. Hein. Il y a du contact. Alors peut-être Cossy, peut-être encore un des lacs de Cossy. En tout cas, Jimmy est en tête. Petit Fuchs 2e. Mania 3. Toujours le même podium. Le Duc 4e, 5e. Et bien Deosim 6e, Damien. Bataille pour la 4e place entre Deosim et le Duc. Attention, 3 pilotes de front, il n'y a pas la place. Arty, attention, en sandwich. Attention, et Bernard à l'extérieur, a-t-il été poussé? En tout cas, Servet en profite, il passe vite à l'intérieur. Oh, et Cossy, ouais, non, il y a du lag. Il y a du lag du côté de Cossy. Il y a du lag du côté de Cossy. Et les trois premiers se sont détachés. Deosim mène bien la danse devant le Duc. Bataille pour la 4e place. Et bien la jonction est faite hein, du côté des trois premiers. Petit Fuchs Mania, on rejoint Jimmy qui était légèrement détaché. C'est peut-être une illusion d'optique. Oui, quand même, sans contact. Derrière Servet, il est 7 hein, maintenant. Très très bon départ de Servet également, de Bernard. Une phase de 10e. Le vainqueur de la première course. Et pour l'instant. Eh bien, Sully, Paul et Cossy qui ferment la marche. Qui a réussi légèrement à distancer il y a une seconde maintenant entre Deosim et le Duc. Le Duc maintenant sous la menace de Damien. Attention, cette partie n'a pas entraîné le pilote GTBE complètement à l'extérieur. Derrière, eh bien servi, il y a une seconde, 4. Et Damien tente le dépassement, il est réussi. Damien, très très beau dépassement sur le Duc. Il est 5, derrière, on a Arty, Servet, Bernard, Unfazed, Sully,
Et Paul, tout ce petit monde bataille pour la 6ème place. Hein. Oh, attention au contact, ouais, c'est très serré. Alors forcément les zones de freinage, c'est compliqué, surtout dans les virages serrés comme on le disait tout à l'heure. Et ils étaient 4 de front, ils ont dû se mettre à 2x2. Va peut-être tenter un dépassement sur Arty. Servet qui se mêle à la lutte. Devant, c'est toujours Jimmy Tifumania dans l'ordre. Le tiercé dans l'ordre, dirons-nous, pour l'instant. Le 6 maintenant. Attention au contact, Arty. Oh là là, peut-être un peu trop agressif là, le pilote GTBE. Il reprend sa place, la place précédente, mais peut-être des petits contacts avec le Duc. Attention. En tout cas, c'est toujours aussi serré. Hein. Face, il va peut-être tenter quelque chose sur Bernard. Allez, le Duc à l'intérieur. Ça passera peut-être à la sortie de ce virage. Ouais, le Duc 6, attention. Et on arrive à la chicane. Alors, faites extrêmement attention au freinage. Ça passe parfaitement. Qui essaie de faire le ménage à gauche, à droite. Sully est là et Sully en profite. Arty qui perd. Oh, il perd 3 places parce que Bernard s'est infiltré également. Alors Arty, il a réussi à reprendre cette 8ème place. Outphase maintenant dans l'intérieur, il passe 8ème. Et devant, c'est Petit Fuche qui fait la course en tête. Mania 2, Deosim 3. Côté du fond du classement, du coup. Et oui, on y retrouve Jimmy. Allez, Jimmy, les 12 maintenant.
Ah, il était parti au stand, tout simplement. Alors, peut-être des dégâts pour Jimmy. En tout cas, eh bien, ça en a profité. Hein. Tout le monde a gagné une place, du coup. Aidé aussi en bataille avec Mania pour la deuxième place. Allez, derrière, ça bataille toujours. Sully, Bernard, Unfazed, Arty 9. Une grosse pénalité en plus pour Arty. Hein. 4 secondes 2 maintenant. Et aussi Mopit. Stratégie en deux arrêts visiblement. Belle bataille en tout cas pour la cinquième place hein, entre Sully, Bernard et Unfazed. Oh, Sully qui tape violemment. Allez, des dégâts partout maintenant. C'est des éclairés façon sapin de Noël. Hein. Alors sauf le moteur. Il y a eu de la chance le pilote GTWGP. Mais un passage au pit obligatoire maintenant. Et les places qui s'envolent pour Sully. Il va tenter quand même sur Paul, rester au contact. Allez, petit Fuchs, lui, que va-t-il faire? Eh bien, il continue. Il est leader de cette course. Mania deuxième, troisième, Damien, quatrième, Le Duc. Et derrière sa bataille pour la cinquième place. Bernard, Unfazed. Arty peut encore revenir. Et alors une pénalité de 4 secondes 2 qui est le meilleur course hein, pour l'instant. Unfazed va tenter le dépassement et c'est fait sur Bernard. Parfaitement exécuté à l'intérieur du virage. Une bonne soirée pour l'instant pour le pilote de la Honey Compétition qui fait bien tout simplement un plus 8 dans cette deuxième course. Plus 8 en moins de 15 minutes. Attention, Bernard qui n'a pas dit son dernier mot, le pilote de la Belgian Spirit. À l'extérieur, Unfazed. Bernard va pouvoir sans doute en profiter. Allez, Bernard qui en profite. Allez, le petit appel de phare pour Unfazed. Alors pourquoi le petit appel de phare? Est-ce pour se plaindre d'une manœuvre? En tout cas, eh bien Mania au pit. En tout cas, Bernard, il est 4 pour l'instant. Et c'est au compte-goutte hein, que les pilotes vont au pit. Petit Fuchs va sans doute y retourner très rapidement. Sans y aller très rapidement. Damien, il est de Le Duc 3. Et attention, une phase de Bernard, c'est pas terminé. Des pilotes, les stratégies carburant bien quasiment identiques. Potentiellement une bataille jusqu'à la fin pour les deux pilotes. Thank you.
seconde 2 de pénalité pour Arti. Paul, il est 7, on va aller très rapidement du côté de ce qui se passe derrière. Servé, il est 8, Jimmy, 9. Déosim, il est 10. La 11e place pour Mania, la 12e pour Kossi. Et donc pour l'instant, eh bien, dernier de cette course, c'est Sully, le pilote de la GTWGP. Petit fuche, bien, il fait son cavalier seul, mais il va au pit. Allez, dans la réserve, le pilote de la Wilson Grand Prix. Et voilà, tout le monde, ouais, peut-être plus de pilotes hein, cette fois-ci pour passer au pit. Alors eux, ils continuent. Ouais, c'est incroyable cette conservation en tout cas. Carbu, le Duc, Damien, Tifuche. Voilà, c'est reparti. Tifuche qui repart 8e. Il est reparti 11. Allez, unfazed Bernard, bataille bien pour le lead de cette course numéro 2. Tous les rapports hein, du côté des leaders, ce qui explique hein, tout simplement l'évolution du carburant. En tout cas, pour l'instant, une phase de bien, il s'échappe une seconde d'écart maintenant avec Bernard. Derrière, on a Jimmy, on a Paul pour l'instant en troisième. Bah, pour l'instant, il est seul troisième, quatrième, Jimmy. Bataille avec Servé pour la quatrième place. Sixième place, on a une bataille. Tifuche Déosim. Et Tifuche qui a l'avantage des pneus neufs. Passe pour Petit Fuche. Derrière, bataille pour la 8ème place. On a 3 pilotes, Damien, Mania, Le Duc. Passement du côté de la 9ème place. En tout cas, la SPI. C'est vrai que ça a du mal avec ce véhicule. On l'a vu eh bien, lors de la course, la première soirée au Fuji International Speedway. C'est très compliqué, c'est plus au freinage que ça se joue.
Faze qui grappit encore du temps. Une seconde 7, une seconde 8 maintenant. Kifuge qui est 5ème. Bataille derrière. C'est espacé régulièrement, sauf bien pour la 10e place, la 9e place. Allez, attention, une bataille pour la 6e place. Damien qui tente eh bien de passer sur Servé. C'est passé. Et maintenant, l'obstacle d'Eosime devant lui. Oh, et ça a croisé complètement là. On a failli assister à un gros crash. En tout cas, gros contact entre Damien et d'Eosime. Allez, il a les pneus très abîmés, hein, d'Eosime. Oh là là, les 4 pilotes de front, attention! Encore un contact! Et Bernard Unfazed au pit! Et stratégie en un seul arrêt pour ces pilotes. Paul également. Oh, gros contact entre le Duc et Servé. Et du coup, eh bien l'avant abîmé pour ouais, et le passage au pit immédiat. De toute façon, il était dans la réserve, le pilote BSR. Allez, Jimmy pour l'instant. Un Tifuge 2. Troisième Damien. Et derrière, attention, c'est regroupé. À partir de Deosime. Et Unfazed, il est là. Allez, on va se mettre en onboard avec Unfazed. Ouais, Deosime, il est vraiment en difficulté avec ses pneus. Il est vraiment en difficulté avec ses pneus. Oh, il a failli pénaliser d'autres pilotes. Il se pénalise tout seul, le pilote de la PRST. Et Unfazed qui passe 5. Au même moment. Allez, l'objectif maintenant devant lui, c'est Mania. Bernard, le Duc, pour la 6e place. Attention au contact, attention au contact. Les deux pilotes de front dans la ligne des départs arrivés. Ça arrive fort, voilà. Bernard. Et ça passe. Ça passe devant le Duc.
Alors Jimmy Petit Fuch, attention, rapprochement hein, de Petit Fuch à une seconde. Troisième place, donc Damien Unfaze, il est 4. Bernard à l'attaque, le Duc également et Sully sur Mania. Pit. Allez, attention, trois pilotes de front maintenant. Sully, Mania, Bernard. Attention, est-ce que Bernard va basculer? Attention, contact. Alors, ça passe sans encombre pour Bernard. Il est 4, Sully est 5. Attention à ce freinage de la chicane. Le Duc un peu ralenti par Mania devant lui. Qui voit les deux autres s'échapper. Il faut qu'il reste au contact, il doit se débarrasser de l'obstacle. Hein. Pour l'instant, c'est là que ça joue. Il y a le bouchon. Et Arti également. Voilà, le passage au pit pour Sully. Et le Duc tente de faire sauter le bouchon. Arti va peut-être en profiter également. C'est passé pour les deux pilotes. Attention, attention, parce que Mania, il revient dans la course, là. Il y a eu du dérapage dans tous les sens. Et Mania reste au contact, du coup, sur le Duc. S'en sort bien là, lui qui était derrière. Il est devant avec une petite avance d'une seconde. Alors c'est vrai que les dégâts hein, de Le Duc sur son aéro eh bien, ne lui simplifient pas la tâche. Et pareil pour Mania, Mania qui va devoir aller au pit. Voilà, passage au pit. Derrière, on a Jimmy, on a Paul à la 7ème place. Et Sully est servé pour la 10ème place également. Et Arti qui a réussi à légèrement prendre ses distances avec le Duc. Thank you.
Trackenfeld est à 5 secondes de la tête de course. Il lui reste un peu plus de 7 tours. Va-t-il faire le doublé ce soir, le pilote de Laoni? Et Marty qui grappille de plus en plus d'avance. Damien est au pit. Et c'est Unface qui reprend la tête de course. Il prend la tête à 6 tours, 7 tours de l'arrivée. Bernard 2. Alors Damien lui ressort 5. Et attention, bataille avec Jimmy. Et on a Petit Fus juste devant. PRST plus rapide. Il passe 5. Damien qui tente de se décaler pour dépasser. Ce sera trop juste et l'avantage pour Jimmy dans le prochain virage. Attention, Damien est à l'extérieur. Attention, il est à l'extérieur. Meilleure vitesse en sortie, forcément. Jimmy qui conserve la tête. Sale, attention pneu sale. Il conserve toujours la tête et se résiste bien là, Jimmy. Bon, ça va peut-être pas réussir. Oh là là, c'est passé très près de la sortie de piste quand même. Les appels de phare. Peut-être l'intimidation. Attention, contact. De recouper. Attention, la sortie de le virage et Jimmy dans l'herbe. Pour l'instant toujours devant.
va rester 4 tours dans cette course numéro 2. Et Unfazed est bien toujours en tête. Bien parti pour faire le doublé ce soir. Très belle remontada. Que ça passe définitivement pour Damien. On va peut-être en profiter. Alors attention, parce que celui-là n'a pas dit son dernier mot. Juste derrière, il est à une seconde et demie. Très rapidement, on voit ce qui se passe. C'est Arty et Servet qui se battent. Les deux sont perclus de pénalité. Servet, 4 secondes 4 de pénalité. Ça va être très très compliqué de passer devant Arty au classement final. Le Duki, il est 10. 11e, et bien c'est Mania. La 12e place, elle est pour Cossi. Et la 13e pour Deosim. Une pénalité de 3 secondes. Damien qui réussit légèrement à prendre le large sur Jimmy. Du côté de Servet et Arty, on bataille. Meilleur pneu qui, qui n'arrive toujours pas à se détacher de Servet, hein, tout de même. Voilà, peut-être qu'il est fait maintenant. Et attention pour Servet, il y a le Duc, hein, derrière, mais pareil, hein, le Duc a de meilleurs pneus. Allez, le principal danger pour Jimmy maintenant, c'est celui qui est derrière. Et il restera 2 tours. Très rapidement du côté du tir cette tête, et bien Unfazed 3 secondes 2 d'avance sur Bernard, et Bernard il est quasiment assuré de la deuxième place en plus, voire mieux. On va voir, hein, peut-être des événements en fin de course, alors qu'il reste un peu plus d'un tour, hein, pour les leaders. Les petits fuches poche, Paul, attention, Paul a une pénalité, hein. 2 secondes et demie. Alors qu'il grappille pour pouvoir eh bien, obtenir cette place sur le podium. Paul. De toute façon, il a de moins bons pneus. Donc, oui, de toute façon, je crois que le petit fuche est passé. Et de toute façon, il est dans la réserve en plus, Paul. Peut-être une fin de course difficile pour le pilote de PRST.
Et il continue, attention. C'est très très limite là. Il va falloir qu'il économise. On va rester sur ces pilotes. Phase de... Bon, on va en terminer. Allez, le dernier partiel du dernier tour. Et Bernard ne reviendra sans doute pas. Donc la victoire, eh bien, elle sera pour le pilote de la Oni Compétition, Unfazed, qui remporte la deuxième course, doublée ce soir de Unfazed. La deuxième place pour Bernard. Tifush, il est 3, il sera sans doute 3. Ouais, parce que Paul, il est obligé d'économiser. En plus, la pénalité de 2 secondes et demie va peut-être lui faire perdre cette quatrième place. La troisième place, eh bien, elle sera pour Tifush. Ouais. Il est satisfait de cette troisième place, le pilote GTWGP. Ah, il est en panne en plus. Paul, il doit être purgé. Non, il termine quand même quatrième. Jimmy 6, Sully 7. Arty finira 8. Et pareil, en panne. La neuvième place, c'est bien pour le Duc. Dixième, Servé. Mais attention à la pénalité. Ça suffira pour Adis, Mania 11. Et attention, Deosim, pareil. La panne sèche qui menace. Et panne sèche. Oui, panne sèche. Panne sèche pour Deosim, qui finira sans doute 13ème. Kossi va passer. Ouais, Kossi qui passe. Et donc Deosim, eh bien, avec un train de sénateur là, qui va en terminer. Dernier de cette deuxième course. Voilà donc le classement, eh bien, de cette course numéro 2. Et la victoire, donc le doublé pour Unfazed. Gagne 12 places.